Ah, moi j'ai plusieurs bagages devant moi, plusieurs équipements. Et c'est avec tout l'équipement ça que moi pour aller commencer à faire des trois lives. Mais une des bagages qui fait que mes terres se fait live là, c'est que moi j'ai un paquet de bandes vidéo cassettes que moi t'ai dit non, en coup de trois dooms que bon moi. Sur la vidéo cassette que bon moyen et que il prend le temps pour moi, comment dirais-je, à digitaliser them, pour mettre sous format pour me laguer online. Et j'ai commencé à faire ça longtemps, dès qu'on a un paquet de bonnes vidéos cassettes sur YouTube, parce que moi, j'ai perdu tout faire ça. Mais quand y a là, je commence encore, bon, de toute façon, ce que je fais quand y a là, pendant que m'a fait digitize vidéo cassette yo et puis m'a tout voyé live tout et puis gain des cassettes que m'a parlé sur yo et que pour moi capable bail petit commentaire et puis ça qui est réellement important yo m'a recordé yo et puis nous pour joindre dans la plateforme moi là. So là c'est tester m'a tester système là pour moi que c'est marché normalement. J'ai un téléphone maintenant même là, moi gain plusieurs équipements devant moi, gain laptop moi devant moi gain vieille chaise pour moi. So, ma pour que si je suis capable de faire nous voir exactement le background. Non? Comment que. Background, non? Comment que le système est. So, ça veut dire téléphone, moi, tout, je suis capable de faire un fil pour me capable faire nous voir le background. So, c'est ça que je vais faire là. Pour me capable aider nous voir exactement comment que je vais faire le système. Alright. So, bon, mettez fil. Là, pour nous capable de voir. Ok, ça c'est background là, ça veut dire c'est vidéo cassette type là et là que moi je vais type yo. En point, so, ça veut dire ça c'est là que fit type là pour le passer, pour le tomber là. Et que ça c'est système là que m'a joué avec lui, c'est ça qui fait live transmission là. Et puis ça c'est caméra qui est devant là, qui a montré nous exactement actuellement, gens que m'a parlé. Et que ça a intérêt. M'a montré nous doom là que m'a expliqué nous. Ça c'est doom là, ça veut dire que j'ai plusieurs doom. En point, c'est tout ça c'est des cassettes que j'ai gagné pour moi, pour me convertir. Pour me convertir en fal, ouais, tout ça c'est vidéo cassette, il y a un film là-dedans, vous comprenez, so, c'était 7 doom, et so far, grand pile là-dedans que je me trie, je me vois et jeté, et puis plus, je me prends un paquet de notre vidéo cassette qui est là, tout, que moi j'ai besoin de bagaille. Et puis plus, dans le garage, moi j'ai gagné, comment dirais-je, dans le garage, moi j'ai gagné plusieurs lots vidéo cassette, dans le garage, moi. Que si vous regardez, après que le garage, moi j'ai un paquet de bonnes autres cassettes. Ça veut dire que ces cassettes depuis 2000, depuis 1900, pour cassette qui, last time that check, c'était une cassette Carnaval 1971. Ça veut dire que je probablement une cassette qui pre-date 1971. Donc, so, moi j'ai pour faire research. Donc, so, moi pour dédier moi ça avec fin année. On va commencer go toute cassette yo pour me faire un record pour me capable ba nous update parce que dans live ça c'est ça que on va faire, on va faire un moyen pour montrer nous exactement qui ça tombé, qui cassette qui fait que me gain passer son archive que m'a créé et que l'archive là nous parle exactement combien vidéo Falcon gain c'est bail longtemps. Yo n'a pas qui gain cassette ça, ce sont des cassettes que c'était une dans ami moi qui était con longtemps les mis c'était Brooklyn. Et pour que vous ayez internet, pour que vous ayez DVD, j'ai que vous avez fait des bagages, vous avez un monde international et que n'importe programme qui passe à l'international, vous copiez pour monsieur et puis là, vous avez venu et puis vous avez une cassette ça et puis vous avez pour monsieur. Ça que monsieur fait lui-même, il copie la cassette ça et puis il commence à marcher dans tout le building dans Boukénu et puis pour la vendre. Ancien Carnaval, tout programme qui est passé à l'international, papa, puis il y a un bichat, on prend un père, on prend un filo, on prend tout programme ça et puis tout news et puis tout documentaire que qui fait sur pays monsieur te gagne archive ça yo. Et c'est chance pour moi monsieur te gagne tout fal ça yo là on dans basement et te mandé monsieur basement là et monsieur pas de côté pour te faire ça pour te faire avec cette cassette et puis te pas jeter puis les relais me dit ça et puis me dit OK pas un problème parce que vienne prendre la mer. So c'est responsable de commencer à convertir cassette ça yo pour te mettre online la YouTube pour te capable archive yo. Mais avec nos technologies longtemps, pas aucun problème, n'importe quoi, vous mettez dans YouTube, c'est ok. Mais quand il y a là, n'importe quoi, vous mettez, depuis c'est pas où faire YouTube, boss track sur vous.
So dans ce sens, ça veut dire que tout fal que me prend sans moi pour me copier me lagué là YouTube, moi vinn perdre tout parce que channel ça était vinn fermer channel là. Qu'on y a là ça que me faire moi faire un autre serveur à part, moi gagne dans la vie pour montrer nous qui gens que pour capable tout fal ça, si me garder tout fal ça complètement parlant. Nous gagne pour aller dans l'autre serveur que m'a mettre à souper. Mais comme moi dit son test que m'a fait pour moi que si tout bagaille bien passé, si son bien passé, si image bien passé et puis l'aime pas jouer fal. Par exemple, pour bien faire ça, c'est un phare que je vais jouer, c'est un ancien phare qui était la télé nationale que je vais jouer là. Je vais voir que si tout le bagage est bien passé. Si tu n'as pas toujours des gens qui ont placé confiance à 100%. Et puis, le jour où on n'a pas de pouvoir encore, on l'oublie. Ce soir, on avait voulu honorer le président René Préval. Pourquoi? Parce que le président Préval a nommé. Il est entré d'abord dans la logique universelle des fusions de médias d'État dans le monde, qui est un principe international. Par contre, s'il était même conscient de ça, parce que de plus en plus, c'est ce qui se fait, les radios TV. Donc, j'ai été nommé à la tête de la radio et de la télé. Mais il est aussi entré dans le principe moderne du média de service public qui rompt avec les médias d'État, qui en fait était un média de propagande. Est-ce que tu es conscient? Je ne sais pas. Mais là, aller plus loin. Il a nommé à la tête de cette institution importante quelqu'un que le pat connaît. Rien que par réputation, j'étais directeur général d'un média privé, j'avais déjà été directeur général de Mupana, directeur au ministère de la Culture, j'avais un palmarès, et puis il dit, bon, je choisis quelqu'un qui peut diriger ces médias d'État et entrer dans cette logique moderne de radiodiffusion et de télévision. Et les diffusions. Et cette personne, c'était moi. Ceci dit, là où le monde fait confiance, il faut lui rendre cette confiance. Il faut lui retourner cette confiance. Il faut mériter cette confiance. Puis, gros drame, nous, aujourd'hui, dans la société. Vous recommandez quelqu'un, par exemple, à un poste, après, il faut regretter tout est recommandé. Vous nommez quelqu'un à un poste, après, on regrette tout est nommé. Il a maintenant un sentiment du devoir accompli. Et là, il y a un devoir, il y a une reconnaissance. Au monde qui fait confiance, tu lui rends cette confiance. Mais plus que ça, quand j'ai rencontré le président Préval pour la première fois, c'était en janvier 2012, il était clair. Nous, bien démarré, il n'y a pas de propagande. Mon cher, la meilleure chose, c'est de maintenir ce rythme. Pas de propagande pour le chef de l'État. Et je dis qu'il y a deux personnes qui m'ont marqué, qui fait que Télévision Nationale prend tournant le aujourd'hui en termes de liberté et d'extension. C'est l'ambassadeur Conan qui m'a visité en octobre 2006. C'est le premier mois où je suis arrivé. Et par la suite, le président Préval, au point de vue politique, qui va consacrer la liberté de des médias d'État. Alors que ce traumatisme que nous avons gagné entre 1979 et 2006, là, c'est le premier côté que nous avons gagné encore. C'était dans les médias d'État. Traumatise ça, c'est en 2006 qu'il disparaît. N'oubliez jamais que ces médias d'État étaient quasiment poursuivis par les autorités publiques, traqués par les autorités publiques, qui voulaient être vus, vus et revus, revus et même corrigés. Parce que pour les gens, ils pensaient que la presse peut encore corriger certaines erreurs, c'est possible. Techniquement, parfois même, à d'autres niveaux, c'est possible. Mais ça a été aussi une trop lourde responsabilité donnée à la presse en général et aux médias d'État en particulier de résoudre les problèmes des autorités. Quand ça ne marche pas, il faut dire l'inverse. Et quand ça marche, il faut toujours le dire. Le président Préval nous a laissé libres de fonctionner. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Radio-Télévision Nationale d'Haïti, à l'occasion de la Journée mondiale de la presse, certificat honneur et mérite décerné à son Excellence M. René Préval, président de la République d'Haïti, pour sa contribution active à la liberté de la presse en Haïti et son support moral à l'épanouissement d'une nouvelle politique éditoriale dans les médias d'État. Date 3 mai 2011, directeur général Pradel Henriques. Voilà, donc c'était les 5 personnes, personnalités et institutions qu'on voulait honorer. Et c'était important pour nous. Et parce que, comme toujours dit, il y a des mots qu'on dit dans la vie. C'est comme des mots magiques. Le mot merci, le mot bonjour, le mot comment ça va, le sourire même parfois. Le rire ou le sourire.